Salut les amis, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. En tout cas, comme vous pouvez l'imaginer, moi ça va plutôt pas mal. J'ai reçu mon Mavic Pro de chez DJI, j'ai commandé le pack avec les accessoires. Donc les accessoires, il y en a ici, il y en a là. Le drone est au milieu, alors c'est parti. Allez, on va commencer par les accessoires, comme ça ce sera fait, et après on s'occupera du drone. Donc voilà, juste pour une petite présentation rapide, hein, puisqu'après je ferai des vidéos un peu plus complète sur tous les accessoires qui sont proposés dans ce pack. Donc voilà à quoi ressemble la sacoche. Allez, on continue avec ce carton à l'intérieur. La base pour charger plusieurs batteries en même temps. Une batterie supplémentaire, une autre batterie supplémentaire, un adaptateur de batterie et quatre hélices supplémentaires. Voilà donc ce qu'on peut retrouver avec ce pack accessoire et maintenant on passe tout de suite au drone. Donc vous l'aurez compris, quand on achète le Mavic Pro sans accessoires, on reçoit juste cette boîte. On découvre enfin le Mavic Pro, donc il est vraiment super petit. Donc je vous mets un petit plan comme ça. Donc j'ai quand même des grandes mains et on voit que le drone est vraiment pas grand du tout quoi. Donc j'ai le Phantom 3 Advanced qui est juste derrière d'ailleurs. Donc je le mettrai à côté pour vous donner un petit peu une idée. Pour l'instant, je le pose sur le côté. On a ensuite la radiocommande. Donc c'est pareil, la radiocommande super petite. Donc encore une fois, là c'est une vidéo de déballage assez rapide. Je vous ferai ensuite des vidéos. On peut piloter ce Mavic Pro d'ailleurs sans télécommande. On peut le piloter simplement avec son smartphone. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je ferai des tests également dessus. Donc, on continue. En dessous, on retrouve quoi? Des documents. Les voilà. Le chargeur de batterie et de radiocommande grâce à ces deux ports USB ici. Deux sets d'hélices, c'est-à-dire quatre hélices supplémentaires. Et on finit avec tous les câbles. Donc, les voilà. Donc, on a des petits câbles en fait qui vont nous permettre de raccorder différents téléphones sur la radiocommande. On a ce câble-là qui permet de recharger la batterie. Et enfin, le câble secteur. Allez, maintenant, on va s'intéresser à ce petit drone. Donc, super agréable la prise en main. Alors, il est petit, certes, mais les 750 grammes, du coup, on les sent bien. Donc, ça fait pas du tout camelot. Concernant le déploiement des bras sur le site de DJI, on a 5000 d'indiqués. Donc, il est garanti ou prévu en tout cas pour 5000 dépliages, on va dire. Donc, voilà, il est livré comme ça avec une paire d'hélices. Donc, les autres, on va les monter. Donc, elles sont fournies dans ce petit sachet. Dans le pack classique, on a une autre paire d'hélices. Et moi, avec le combo, donc avec le pack accessoire, j'ai normalement 4 hélices supplémentaires. Pour les installer, on a toujours les repères. Blanc ici, noir de ce côté-là. On appuie, on tourne et ça se clipse tout seul. Les hélices sont montées. Sur le dessus, on a également une petite protection pour la nacelle. Donc, on peut l'enlever comme ceci. Et là, on a toujours un petit cache donc qui peut servir. Je sais que certains volent sur les vidéos avec. Simplement, on peut avoir des reflets et les qualités vidéo sont beaucoup moins bien forcément. Donc, nous, on va enlever cette petite bulle de protection. Et ensuite, on a également une protection ici pour protéger la nacelle qui est stabilisée sur trois axes. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, il est vraiment mignon. Ça fait une petite araignée. Je suis vraiment super content de cet achat. Donc, je vais le poser ici. Je vais mettre la télécommande ici pour que ce soit propre. On fait un peu de ménage. Et je vais prendre le Phantom 3 Advanced pour vous donner un petit peu une idée de la taille de ce petit drone. Alors moi, je le vois sur le retour vidéo. Donc, il fait plus petit, certes, mais honnêtement, il n'y a qu'en vrai, quand on le tient dans les mains, qu'on se rend compte. Même en vidéo, je trouve que ça ne se voit pas trop. Mais en vrai, il est vraiment tout petit. Donc du coup, ça fait un petit peu 4x4 et un petit peu voiture citadine. Moi, je sais que quand je le décolle, souvent, donc il peut partir dans l'herbe ou dans le sable. Avec ses pieds, c'est plutôt pas mal. La nacelle est protégée, enfin, ça fait assez costaud. Alors qu'avec celui-ci, on a des capteurs hein, ici en dessous. Ils sont très près du sol. Donc si on connecte, enfin si on décolle le drone dans l'herbe, eh ben, on se rend compte tout de suite, hein, peut-être sur cette, avec cette vue-là. On se rend compte tout de suite ben, que l'herbe va toucher les capteurs. Donc il faudra faire attention quand on décolle ce drone. Mais de toute façon,
Je verrai ça plus tard. Pour l'instant, on s'occupe du déballage. Donc voilà pour le drone. On va s'occuper de la radiocommande quelques instants. Et puis après, on essaiera d'allumer tout ça et de faire un petit décollage. Donc super petite, on a une bonne prise en main. Alors moi qui suis habitué avec la radiocommande du Phantom 3 Advanced, elle est vraiment petite. Donc il va falloir s'habituer à cette radiocommande. Donc voilà, on peut faire un comparatif aussi avec la radiocommande donc du Phantom 3, Advanced. Enfin, il n'y a pas photo hein. Pour le transport. Moi, je sais qu'à chaque fois que je vais faire un vol, entre le Phantom 3 Advanced et sa radiocommande, plus la tablette, ça prend énormément de place. Bon, ben voilà, on a fait le tour rapide du drone et de sa télécommande. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à l'allumer pour voir à quoi ça ressemble. Donc pour le drone, un appui court, un appui long. Et voilà, il est prêt. Pour la radiocommande, c'est la même chose. Donc, un appui court, un appui long. La radio se connecte. Et voilà, il est prêt pour décoller. Voilà les amis pour la présentation du Mavic Pro de chez DJI, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu, de partager au maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram et sur Facebook, vous avez les liens dans la description ou également en fin de vidéo. Donc d'autres vidéos arrivent bien sûr beaucoup plus détaillées sur les accessoires, la radiocommande, le drone, la possibilité de voler avec son smartphone, les modes de vol intelligents, enfin il y a tout un tas de vidéos à faire. Donc ben justement, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ça fait beaucoup vidéo quand même.